Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo découverte du jeu Mineko's Night Market. C'est une fille qui s'appelle Mineko qu'on va incarner, et cette fille vient d'arriver dans un village où on vénère un dieu soleil. Bon, voilà, il y a l'histoire qui est ici. Donc il y a très longtemps, un fermier et sa fille vivaient dans une petite communauté agricole rurale. Vous allez voir, il y a pas mal de chars. On verra ça ensemble. Tous les matins, ils descendaient tous les deux à la rivière pour faire leur lessive. Un jour, ils virent une fleur de sakura géante flottant dans le ruisseau. Ah, à leur grand étonnement, un chat chien émergea de la fleur de sakura. Peu après l'apparition du chat, la ferme commença à prospérer. Mais des fermiers rivaux qui n'avaient pas la même chance pensèrent que ce chat chien était une malédiction. C'est dit jaloux, oui. Le chat chien fut chassé du village par un rival jaloux. Ah bah ouais, jaloux. Et banni du village. Mais les autres, ils ne l'ont pas protégé. Paiement, papa, ok. Tu finiras cette histoire plus tard, ma puce, parce qu'on arrive. Ça devrait être là, un peu plus loin. Et bien évidemment, les amis, ce jeu est dans le Xbox Game Pass. Là voilà, ça ressemble bien à la maison de l'annonce. Enfin, elle a dû un jour ressembler à la maison de l'annonce. Je vais faire un peu de ménage et commencer à nous installer. Va donc faire un tour dans le coin, je t'appelle quand tout est prêt. Ok, là c'est le tuto, appuyez sur A pour interagir avec... Ok, des objets. C'est qui lui? La nouvelle, par ici, il s'appelle Bobo. Appuyez sur Y pour ouvrir un journal. Je suis Bobo, donc ça c'est le journal. Les personnes qu'on va rencontrer, ce qu'on va collectionner, ça c'est les options pour les paramètres. Alors, il y a un petit truc ici. Oh, je sens venir les problèmes avec un grand P. C'est quoi ça? Beaucoup ma puce. Alors, ça y est, on est riche. La boîte aux lettres est vide. On dirait que le bus ne passera plus ce soir. Petite fleur, vous avez découvert une fleur de prunier. Est-ce qu'on peut en prendre encore? Yes. Une fleur de sakura. Alors, il y a des personnes qui sont déguisées en chat. Le chat de gauche, marché nocturne. Tous les samedis soirs. Et le chat de droite. Bon. Marché nocturne, argent gagné cette semaine, 0$. Ah, ils n'ont rien. Bah, je pense même pas qu'ils aient des articles, en fait. Ah, on peut courir en appuyant avec sur RT. Ok. Tant mieux pour les déplacements rapides. Alors, est-ce que je peux voir ce qu'il y a ici? Non, je peux pas. Le petit, il est où? C'est pas un magasin de loisirs créatifs. Apparemment, c'est fermé aujourd'hui. C'est pas vrai, un agent nous barre la route maintenant. Des agents? Pas le temps de t'expliquer. Viens, on va courir, il ne pourra pas nous rattraper tous les deux. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous fichez là, les mioches? C'est notre ville ici. Eh bien, on est en pleine investigation ici, alors barrez-vous les mômes.
quel crétin. Je viens d'avoir une super mauvaise idée. Sympa. Prépare-toi, on va créer une diversion. Qu'est-ce que vous fichez là? Bonjour monsieur, je m'appelle Bobo. Je suis monsieur pas Bobo. Je viens vous parler des ramen, c'est ça, des ramen. Je vous écoute, monsieur pas Bobo. Vas-y, la nouvelle fonce. Tu as réussi. Mais comment tu as fait pour te débarrasser de cet agent? Il est toujours en train de parler ramen tout seul. Ah oui, les nouilles, un de mes aspects préférés des ramen. Bref, il doit bien y avoir des preuves ici. Aide-moi à chercher. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? Lui, il était là, je te jure. Lui, il était là, je te jure. Hein? Qui ça, lui? Mais lui, pas le temps de t'expliquer. Aide-moi à chercher. Mais on sait pas quoi chercher. Attends, il y a des traces là. Oh. On a trouvé un étrange artefact. Du coup, où est-ce qu'ils ont mis ça? Dans collection? Non, dans journal. Ok. Oh oh. Et oh non, encore des costards. Tu n'as rien à faire ici, espèce de fouineuse. Tu sais que tu sais ce qu'on fait à des petites fouineuses dans ton genre? Vous les chassez en utilisant la force nécessaire? Oh oui, ça me plaît. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Attrapons-la. Ah, appuie RT pour courir. Eh, mais il est rapide aussi, hein. Oh oh. Bon, ça fait un souci de moins, en tout cas. Merci de ne pas m'avoir aidé du tout à la rattraper. Mais tu es si doué pour ça, je ne voulais pas te gêner. Il fait déjà nuit. Alors, printemps, jeudi, semaine 1, année 1. Je pense que j'irai dormir un peu plus tard. Mais... Bonjour ma puce, tu es toujours vivante? Tu m'as fait une belle frayeur. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je ne me souviens pas, j'étais poursuivi par des agents costume noir. Je crois que j'ai vu un chat géant. On va dire ça comme ça. Oh Miko, ça n'existe pas, les chats géants. Enfin, je veux dire en dehors des vrais chats, mais très grands. Enfin, tu as dû te cogner la tête sacrément fort. Heureusement que tu as une belle pastèque. Bref, je vais me reposer un peu. J'ai passé la nuit à faire du rangement, mais j'ai presque fini. Pas mal, hein? Magnifique, papa. Il y a encore quelques cartons à déballer. Tu as besoin d'aide? Je ne peux quand même pas demander de l'aide à ma propre fille. Bah pourquoi pas? Mais puisque tu le proposes, ce serait impoli de ma part de refuser. Enfin, si tu voulais bien m'aider à déballer le reste des cartons, ce serait top. Oh, j'ai failli oublier. Ton nouvel ami Bobo, il s'est inquiété pour toi. Tu devrais aller le voir pour lui dire que tu es toujours vivante. Ok, on va déballer quelques cartons. Afficher l'objet, récupérer mes objets. Ok, ça c'est ce qu'on a. Thank you.
Je crois que c'est tout. Je vais prévenir papa que j'ai fini. Et championne, bravo pour le déballage des cartons. Cet endroit n'est peut-être pas si mal après tout. Je dois être épuisé, je fatigue rien que de penser à tous ces gens qui travaillent. Pense à faire des réserves d'eau et de nourriture. Tiens, un dernier pour la route, ma puce. Ok, on a eu une boisson. Rien de tel qu'un bon soda pour faire le plein de nutriments essentiels. Donc, appuie sur X pour ouvrir l'inventaire. Tu peux manger, boire jusqu'à 3 fois par jour pour refaire le plein d'énergie. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a. Dans tous les cas, ça on ne peut pas le manger, hein. On voit rien derrière. Pour ma puce, alors ça y est, on est riche. Pourquoi il me pose à chaque fois cette question? Alors, la nouvelle. J'ai cru que tu étais morte, la nouvelle. Je m'appelle Mineko. Oh, désolé, je t'ai appelé la nouvelle parce que c'est la seule chose que je sais de toi. Bien sûr que tout le monde ici sait qui je suis. Je suis Bobo, PDG des élucideurs de mystère, Bobo et associés. On dirait que tu viens de l'inventer. Toutes les sociétés ont été inventées, c'est pas faux. Bref, je suis content de voir que tu vas bien. Ça aurait été terrible pour le village si la petite nouvelle était morte le jour de son arrivée. Et notre village a déjà assez d'ennuis comme ça. Enfin, je suis aussi content que tu ailles bien parce que c'est quand même mieux que d'aller mal. Merci. Et la nouvelle. Enfin, Miniko, tu devrais aller voir ma mère au magasin des loisirs créatifs. Elle s'est inquiétée pour toi. Elle a cru que tu étais encore plus morte que moi. Passe la voir un de ces quatre, histoire de lui montrer ta tête bien vivante. Ok, c'est le magasin qui est juste là-bas. Il était fermé. Ça. La boîte aux lettres est vide. Alors, on a pris une fleur. On va prendre ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait servir. Oh, est-ce possible? Oui, c'est possible, une nouvelle personne. C'est un plaisir de faire ta connaissance, nouvelle personne. Je suis le chat de gauche. Et moi, sur la droite, je suis le chat de droite. Et nous sommes les chats du marché nocturne. Le chat de gauche et le chat de droite, c'est parce que je me tiens sur la gauche. Et moi, sur la droite. Mais que se passerait-il si vous échangez vos places? Bref, le marché nocturne. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour venir au marché nocturne ce samedi? Le marché nocturne? Oh là là, elle ne connaît même pas le marché nocturne. Bah normal, elle vient d'arriver. Ça va aller, respire. Oui, le marché nocturne hebdomadaire. C'est toutes les semaines, il y a plein de stands où faire ses courses. Et des jeux pour s'amuser. Et des tas de gens à rencontrer. Oh non, elle va comprendre qu'on a tout inventé si elle vient vraiment au marché nocturne. Chut, il faut lui faire franchir les portes. Je vous entends chuchoter, vous savez. D'accord, on a peut-être un peu exagéré, pour donner un effet dramatique. En fait, le marché nocturne, un peu comme le reste du village d'ailleurs, n'est pas en grande forme. On ne voit plus beaucoup de visiteurs sur notre île ces derniers temps. Et il y a même des événements au marché nocturne, mais on n'en en fait pas en ce moment. Tu sais, il nous reste quelques places si jamais tu voulais venir si tu voulais tenir ton propre stand au marché nocturne. Ah ça, il nous en reste. Mais je n'ai jamais. Salut Gabine! Pardon de vous interrompre, continuez. Bien. On disait que ce serait une excellente opportunité pour qu'une nouvelle venue sur l'île vienne tenir son propre stand au marché nocturne. Une opportunité de se faire des souvenirs qui dureront éternellement. Je ne saurais pas quoi y vendre. Tu passes ton temps à ramasser et à fabriquer un tas de choses. Tout ce bazar pourrait te rapporter gros. Tu as le droit de vendre tout ce que tu veux. On est désespéré à ce point. Mais non, on est accueillant. Oui, je peux peut-être essayer. Exactement ce que je voulais entendre, mon petit pâté en croûte. Parfait, il te suffit de passer cette porte pour rejoindre le marché tous les samedis. Pâté en croûte. Je ne m'appelle pas.
Original comme nom, pâté en croûte, ça doit venir du continent. N'aie pas peur de rater le marché nocturne, le bus passera te prendre où que tu sois quand l'heure sera venue. C'est littéralement impossible de le rater. On se voit samedi. Oh là là. Allez, on prend la fleur. On va voir la mère de Bobo. Bienvenue au magasin des lois. Ah, mais c'est toi qui viens d'arriver en ville. Tu t'appelles Mineko, c'est ça? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Bonjour. C'est politesse, bonjour. Eh bien, bonjour à toi, Mineko. Je m'appelle Maman de Bobo. C'est votre vrai nom? Eh oui, et heureusement pour moi, j'ai eu un fils appelé Bobo. En parlant de... Du coup, elle s'appelle Maman de Bobo, vraiment. Et là, elle a eu son fils et elle l'a nommé Bobo. Bon. En parlant de Bobo, il m'a dit que tu étais morte l'autre jour en forêt. Mais je vois maintenant que tu n'es pas réellement décédée. Et c'est bien mieux comme ça. Laisse-moi te montrer quelque chose. Que dirais-tu d'emporter cet établi à fleurs avec toi? C'est que je suis un peu à sec en ce moment. Mais je te le donne, c'est un cadeau. Son but, c'est de t'occuper les mains. Comme ça, tu éviteras de mourir à nouveau. Bobo, personne n'est mort et personne ne va mourir. Enfin, j'avais acheté cet établi à fleurs pour ma fille Saki, mais elle a développé d'autres centres d'intérêt. Oui, elle a développé un vif intérêt pour sortir le soir tard avec ses copines. Bobo! je vais tout de suite te faire livrer l'établi à fleurs. J'ai vu que tu avais aménagé dans cette vieille maison à l'ouest de la ville. On n'a plus besoin de se demander qui pourra bien venir habiter dans ce quartier bizarre. Bobo! Il n'y a rien de bizarre dans ce quartier, ni chez les gens qui vivent dans cette partie du ville. Et même bien avant notre naissance, des tas de familles habitaient là-bas. À l'époque où il avait encore des emplois, je pense qu'il y avait encore des emplois, et un marché pour créer de l'activité. Où sont passés les gens? La plupart ont quitté l'île pour trouver du travail. Mais une poignée d'habitants est restée, ceux qui ne pouvaient pas supporter de quitter cet endroit. On les appelle les losers. Bobo! Merci Mineko! Enfin, va donc découvrir ton nouvel établi quand tu auras un moment. J'ai hâte de voir ce que tu pourras créer avec ça. Merci Maman de Bobo. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle a ici. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Du coup, elle vend des ramen de marque Beetle, des ramen noirs, Carlin Ramun, du jus de légumes, du sushi. Emporté, merci d'être passé au magasin. J'ai quelques trucs à vendre. Bon, on va voir les fleurs peut-être qu'on ramasse. On pourra faire quelque chose avec. Alors... ça c'est fermé, il y a encore une fleur ici. Je pense que tous ces bâtiments là, ces magasins, ils vont sûrement ouvrir après. Est-ce qu'on peut y aller? Là c'est cassé, on peut pas. Un petit pont là. On va prendre des fleurs. Ah, c'est vrai qu'il faut manger. Ah, s'il y a quelqu'un ou pas? Bobo, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut manger. Je pense que plus je cours, plus j'utilise l'énergie.
Alors, on va rentrer. Et mon pâté, un coup, tu as reçu une livraison dans ta chambre. Et let's go. Pratique. Trouve 4 fleurs de sakura et 3 fleurs de prunier pour fabriquer un bouquet pour chat. Je pense que j'ai assez de fleurs pour fabriquer un bouquet pour chat sur mon établi à fleurs. Alors, fabriquer un bouquet. Attends que la flèche soit et entre dans la zone verte. Oui, j'ai fabriqué, ok, un bouquet. Je devrais montrer ce bouquet pour chat parfait à cette gentille dame, maman de Bobo au magasin. Vous êtes créatif. Alors, on va en fabriquer encore un autre. Ou peut-être. Alors, let's go, let's go. Un autre. C'est bon. Peut-être que qu'on aura d'autres types, je sais pas d'autres, bon, on va pas dire recettes, mais d'autres plans quoi pour fabriquer d'autres types de bouquets. Désolé, j'attends toujours un arrivage de Mineko. Tu es toujours la bienvenue ici. As-tu trouvé comment te servir de ton établi? Si tu fabriques quelque chose dessus, je serais ravi de voir ça. Offre un bouquet, ok. Oh, tu as eu le temps de fabriquer le bouquet pour chat. Offrir le bouquet. Ah, donc plus tu fais des trucs pour les gens, plus donc tu vas gagner des cœurs. Il y aura un meilleur. Tu vas créer le. Non, comment est-ce que je peux dire ça? Au niveau du côté relationnel, donc. Plus tu vas faire ça, plus tu vas te rapprocher des gens. C'est toi qui as fait ça, tu as ça dans le sang. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas encore fabriquer. Tu sais quoi? Tu devrais vraiment vendre ça au marché nocturne ouvert tous les samedis soirs. Je te le dis, je serai ta première cliente si tu décides de vendre tes créations. D'autant que maintenant nous sommes amis, toi et moi. Ça risque d'être difficile d'en fabriquer plus vu le peu de fleurs qui poussent dans le village. Avant, les gens allaient au jardin pour y ramasser des fleurs, mais les déplacements sont interdits sur l'île à cause des enquêtes, de l'enquête des agents. Une agence est un moyen de rejoindre les jardins. Malheureusement, ils ont interdit l'accès à toutes les zones autour des jardins. Quel dommage, j'espère qu'ils le rouvriront bientôt. On y allait tous les étés. Tu as dû déjà voir ces mystérieuses personnes en costume sombre se balader ici et là. Ils ne sont pas difficiles à repérer car personne ici ne s'habille comme ça. Bon, je ferais mieux d'y aller. Oh, puisque tu te débrouilles si bien, laisse-moi te montrer une autre formule. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu as appris la recette de Kukedama pour établi. Et surtout, continue à parler aux gens et à leur offrir des choses. Tu ne sais jamais ce que les autres peuvent t'apprendre. C'est gentil à toi d'être passé. Trouve le moyen d'accéder au jardin. On va acheter un truc, mais 50 dollars. Bon, jus de légumes. C'est bon. Est-ce qu'on peut lui vendre ça? Ah, 55! Ok, bon bah du coup je vais acheter. Là j'ai 55, on a un jus. Du sushi, on va prendre du sushi. Et un quoi, carlin, et puis ça, voilà. Il nous reste 55, let's go. Puisqu'on doit manger, boire. Yo, salut Minex. Je peux t'appeler Minex, c'est plus court et plus cool. C'est exactement le même nombre de lettres que Minico.
mais c'est pas aussi cool. Bref, il faut qu'on trouve le moyen d'accéder au jardin. Je savais pas que t'aimais les fleurs à ce point. Laisse tomber les fleurs, il a encore été aperçu. Alors, attends, encore ce il, mais de qui tu parles ? Nico, je te parle de Nico. Nico ? Oui, Nico, N-I-K-K-O. T'as jamais lu les contes de Nico ? C'est genre la plus vieille histoire du monde. Bien sûr que si, mais de quoi est-ce que tu parles ? Nico est un personnage de livre. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Ils, ces horribles agents, ils tirent toutes les ficelles, je le sais. Ça fait des années que des signalements de Nico sont rapportés partout sur l'île. Mais depuis peu, ces signalements sont plus fréquents. Tout le monde a pu apercevoir Nico au moins une fois. Et comme par hasard, voilà que ces agents débarquent. Eh ben, pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Enfin, heureusement, je suis un génie. J'ai sauté le CP. Bref, il y a des agents partout dans les jardins et je veux savoir ce qu'ils surveillent. Si tu veux aller au jardin, je viens avec toi. Prends le bus jusqu'à l'arrêt Les Jardins. Est-ce qu'on a assez d'argent pour prendre le bus ? Oh, on commence à découvrir la map. Aïe. Un nouveau lieu découvert. Ouah, ils sont nombreux, hein. Ah, ils ont encerclé les lieux. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Je rêve où les agents ont mis tous les chats dans ces cages. Hein? Alors c'est pour ça qu'on voit plus aucun chat. Les chats ont disparu? Ouais, cette île était remplie de chats avant. Mais depuis peu, ils ont tous disparu. Laisse-moi deviner, depuis le jour où ces agents sont apparus, oui, je suis sûr que tout est lié. Je connais peut-être quelqu'un qui saura quelque chose à propos de tout ça. Je vais aller enquêter de mon côté, toi tu dois libérer ces chats, Minex. Je croyais qu'on y allait ensemble, tu vas pas encore me laisser tomber. Non, c'est pas du tout l'idée. Être le cerveau de cette opération, c'est pas rien, je te le dis. Je te retrouverai à la maison, tu peux le faire, Minex. D'accord, Bobo, ou Bobs. Non, c'est Bobo, pas Bobs. Ah ben, moi aussi, Minico alors. Merci, Bobs. Libère les chats, prisonniers. Ok, ne t'approche pas des lampes des agents. Si tu te fais prendre trois fois, tu devras recommencer. Oh oh. Va voir ailleurs, espèce de sale fouineuse. Quoi, déjà? Et je n'ai même pas vu les chats, moi. Ok. Oh putain. Il m'a pas vu. Alors on va attendre un peu et puis libérer le chien là-bas. Ok, lui il est libre. Par contre, il garde vraiment un œil sur celui-là. Hein. Ils ne veulent pas le lâcher. Hein. Passer à la station Hard Rock. Alors, on va voir ça. Ça les fait pas bouger. On va voir s'il y a d'autres chats dans les parages. Vite! Alors, il reste encore trois chats.
Il y a un agent à l'air suspect à la maison de thé. Je ferais mieux de libérer tous les chats avant de m'occuper de lui. Ok. Je sais pas, il fait gauche-droite ou bien il monte puis descend. Yo, monsieur. Laisse le chat tranquille. Ah, j'ai pris une bouteille. Apparemment, l'agent utilise ce tronc comme son bureau. Laissez un magazine de mode ici. Ouais. Ok, je vois. Alors, il reste le dernier chat qui est juste ici. Alors, Hard Rock, ça ne marche pas. Oh, ça les endort. Tous les chats sont à présent libérés. Tu devrais pouvoir explorer la maison de tes sens sans danger. Mais genre, ils sont en train de dormir. Alors, lui là. Le courant est coupé. Oh non! Mais non! Ok. Artefact et on dégage. Ah bon, on a perdu assez de temps ici, on décampe. Ouais, j'allais justement proposer qu'on décampe. En fait, j'étais déjà en train de décamper avant même que... Allons-y, c'est parti. Les agents ont quitté le jardin du village. Ben, ça veut dire que maintenant, on pourra récupérer des fleurs. Tu peux maintenant t'y rendre pour ramasser des fleurs. Ah, voilà. Les chats sont de retour dans la zone. Oui, tu peux les caresser. Minico, c'est chaud bouillant. Tu les as tous semés. Tout s'est passé comme prévu. Carrément, la plupart des trucs se passent comme prévu. La plupart. Minex, j'ai refait les calculs. Plus on creuse dans cette sombre histoire, et plus je crois bien qu'il va nous falloir de l'argent. Tu sais, je sais, je vais trouver le moyen de gagner de l'argent, ok? Et tu possèdes bien un stand au marché nocturne. Continue de fabriquer des objets et de revendre des produits au marché nocturne du samedi. Ça va faire du bien à nos finances. Et tu savais que tu pouvais aussi revendre des fleurs et d'autres trucs au magasin de loisirs artefacts de ma mère. Je compte sur toi pour nous rendre riches. Et comment tu vas nous aider, toi? Et être le visage de cette entreprise, c'est un métier à plein temps. Ciao, amigo. Allez, on caresse un peu les sièges. C'est quoi ça? Une boule de poils noirs. Ça peut servir pour fabriquer des trucs. Voilà. Une boule de poils grise. Est-ce qu'on peut rallumer? Non. Alors, on va ramasser les fleurs qu'on peut ramasser. Ça va nous faire du bien. Oh, petit chat. Ah, il nous suit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des câlins. Je pense qu'on pourra revenir ici régulièrement pour trouver les trucs. Alors, il faut manger des sushis.
Ok, on va rentrer. On peut manger 3 fois par jour et là on n'a plus rien, il fait nuit en plus. Le temps avance chaque fois que tu rentres chez toi avec le bus. Le bus ne circule que le jour et en soirée. Alors, apparemment, il y a quelque chose du musée des fleurs. Ah, salutations, le musée des fleurs accepte maintenant les dons. Venez nous rendre visite dans le village dès aujourd'hui. Boîte aux lettres vide. Ça c'est quoi? Afficher l'objet. Alors on va fabriquer des trucs. Donc il y a Kokedama. Par contre, s'il y avait moyen de fabriquer plusieurs à la fois. Ah, j'en ai plus. Bon, bah, fermé. C'est l'heure de dormir, ouais. Ok, on a un calendrier fermé. On est vendredi. Bonjour, ma pomme de pain. Je l'ai trouvée. Hmm? Tu as trouvé quoi? Je te l'avais dit, il a exactement le même goût que ton thé préféré qu'on prenait juste à côté de chez nous, pas vrai? Vaguement, ouais. Mais non, c'est le même, j'ai trouvé notre thé, ça fait encore une chose à rayer de notre liste. Je suis pas sûr que ce soit le même. Mais non, tu te trompes. Bon, tu te sens mieux ce matin? Oui, je n'ai plus du tout mal à la tête, je crois que j'ai encore un peu. Non, ça va. Tu as l'air d'aller mieux, oui. Mais je veux dire, comment te sens-tu en général? Je me sens bien, qu'est-ce que tu veux dire? Ça va. Enfin, rien de spécial. C'est juste que j'ai pas mal déménagé quand j'étais gamin. Et c'était jamais facile de... Mais ça va, vraiment. Ok. Tant mieux. Et j'ai l'impression que tu t'es déjà fait des amis. Ce garçon avec cette coupe de cheveux, il a l'air gentil. C'est quoi son nom? Bonobo. Il est sympa. Bobo, ouais, il a l'air sympa. Oui, voilà, Bobo. Il a l'air très gentil comme garçon. Eh bien, je suis sûr que tu vas te faire un tas d'autres amis. Des tas d'autres amis en orientant. Je suis sorti ce matin et j'ai croisé plein de gens nouveaux. Tout le monde a l'air sympa ici. Pourquoi tu n'irais pas à leur rencontre pour te présenter? Ouais, bonne idée. Génial, il vaut sans doute mieux que tu te présentes toi-même. Je leur ai dit que ma fille s'appelait Pâté en croûte. En croûte, papa. Allez, amuse-toi bien à rencontrer de nouvelles personnes. Tout le monde ici semble très accueillant. La maman de Bobo a l'air cool. Elle t'a quand même donné un établi, tout ça. Plutôt sympa de sa part. Ouais. Ma puce? Oui. Je suis content que tu ailles bien. Merci, pa. Bon sang, ce thé est infect. Ouais. Rencontre 10 personnes. Alors, on est donc vendredi. Bah, j'espère que vous kiffez quand même, si vous êtes si vous êtes toujours là sur la vidéo, j'espère que vous kiffez. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez voir la suite, bah, faites-le moi savoir aussi. Alors, salut la nouvelle, t'aimes les jeux, j'adore les jeux, mais il n'y a rien à faire par ici. Tout le monde s'intéresse au Boximal en ce moment. Tu en as déjà vu? Rencontre 9 villageois de plus. Salut, elle s'appelle Amy, j'aime bien ton style, tu devrais venir participer à mon émission de temps en temps. Tu as une émission? Non. Mais quand j'en aurai une, tu devrais y apparaître.
Mais j'ai très envie de créer une émission sur la cuisine. Reviens me voir si jamais tu veux m'aider à lancer mon projet. On va devenir des stars. Alors, on va prendre ça. Est-ce que tu écoutes les Boys? Les Boys? Les Boys, le groupe le plus génial au monde. C'est qui ton préféré? Moi, c'est Show. J'ai le même, je l'ai même appelé. Non, attends, c'est Coco. Ah, j'arrive pas à choisir. M'oblige pas, s'il te plaît. Rencontre. Ok. Eux là. Donc, samedi soir. Ok. Donc, je vais continuer à jouer jusqu'au marché nocturne. Donc, samedi soir. Et après, je vais arrêter la vidéo. Faut pas que ça soit très long. D'accord? Alors, j'ai quelques trucs à vendre parce qu'il faut qu'on se fasse de la thune aussi. On va vendre ça. Wow! Vendre tous les codinamas. Parfait pour 172. Je sais pas. On va en vendre. Non, on va en vendre un. Et on va acheter quelque chose à manger. Je pense que je vais prendre du jus. Il y a peut-être moyen d'avoir plus d'argent après. Elle, je lui ai parlé ou pas? Après, si je lui offre quelque chose. Je pense que on deviendra amis. Oh merde. Salutations et bienvenue dans la future maison du musée des fleurs. Le futur? Comme tu peux le voir, ce musée fait des fleurs. Le musée des fleurs a bien besoin de quelques fleurs. Tu sais, si tu trouves des fleurs dans le monde, j'aimerais beaucoup que tu en fasses des dons. Si nous récupérons suffisamment d'échantillons, cela suscitera sûrement de l'intérêt pour cette île en tant que réserve florale spectaculaire qui doit être préservée. Je ferai de mon mieux, c'est bien. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que tu découvres les 12 espèces de fleurs indigènes de l'île. Voyons voir, je pense que 8 différents types de fleurs seraient suffisamment pour ouvrir cet endroit au public. Il me tarde de voir ce que tu vas trouver. Je voudrais faire un don. On va faire ça. Donner une fleur de sakura. Ok, c'est déjà ça. Alors, je voudrais faire un don et celle-là. Donc, il en manque 6. Allez, c'est parti. Bonjour, tu penses à boire régulièrement? Garde toujours des boissons sous la main pour faire le plein d'énergie quand tu en as besoin. Tu veux mon autographe? Un jour, je serai aussi célèbre dans le monde. Du baseball que Speedo Agüero. Tu me crois peut-être pas, mais je n'ai pas dit que je n'y croyais pas. Alors, tu crois que j'ai les moyens de devenir un joueur de baseball professionnel? Bien sûr. Waouh, c'est trop bien. Bonjour, j'espère que tu aimes la vie sur notre petite île. Tout le monde dit toujours qu'il veut partir. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal ici. Ah, je ne cours pas parce que sinon ça va me demander pas mal d'énergie. Bonjour à toi, c'est toi la petite dont tout le monde parle. Oh, salut! C'est toi la nouvelle qui cherche Nico. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. C'est qui? Oui, c'est moi. Enfin, Nico est sympa, mais je trouve qu'il y a d'autres légendes bien plus sympas que les comptes de Nico. Moi, je suis dans tout ce qui est crypto. Abréviation de cryptozoologie. Je vais répertorier toutes les créatures mystérieuses ou yokai présentes sur cette île. Combien en as-tu trouvé pour l'instant? Aucune. Prendre cette fleur.
Oh, salut. Il faut que j'arrive à me tirer d'ici. Je devrais dire à papa que j'ai rencontré plusieurs villageois. Waouh, regardez la mamie avec ses lunettes. Salut la nulle. C'est toi la petite nouvelle. Moi aussi, autrefois, j'ai été la nouvelle ici. Tu as un stand au marché nocturne? Moi aussi, je suis vendeuse là-bas. Si t'es sympa, je te laisserai me poser des questions pour que tu saches comment je réussis aussi bien. C'est la nouvelle, elle s'appelle Mamie Fanny. Ça vise pas d'attirer une mauvaise réputation à notre ville. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Cette ville a déjà mauvaise réputation. C'était un bel endroit ici avant. Salut, toi aussi tu aimes les insectes ou tu les trouves dégoûtants? Faut pas jouer les fiers avec moi, je parie que tu les trouves dégoûtants. Encore un peu de fleurs. Coucou, ma pomme de pin, tu te familiarises avec les gens du coin? Oui, ils ont l'air sympas. Tu vois, je t'avais dit que les gens seraient sympas ici. Je vais devoir t'interdire de faire de nouvelles rencontres. Tiens, prends une petite dose d'énergie pour la route. Tu as reçu donc une boisson. Ok. Tiens, en attendant, tu pourrais chercher des choses à revendre au marché nocturne qui a lieu justement samedi. Je vais chercher un magasin où trouver les matériaux pour réparer l'extérieur de la maison. Je te fais signe si j'ai besoin d'aide. Bah, je pense que j'ai ce qu'il faut, hein. Ah, attends, on peut repartir au truc là. Au jardin. On va récupérer masse fleurs. Vite fait. Allez, les chats, j'ai pas le temps. Ah, il y a une fleur ici et c'est nouveau, hein. Je pense que sûrement les saisons vont changer. Et en fonction de ça, on va découvrir d'autres types de fleurs. Mais c'est terrible, l'eau que je viens de boire s'est déjà épuisée, Mike. Allez, on prend un sushi. Une boule de poêle orange, ça c'est nouveau. Ok, je pense qu'on a fini, hein. Ouais. Je vais voir par là ce qu'il y a. Y a rien.
fait déjà nuit. Alors, on va fabriquer des trucs. J'en ai plus. Allez, dodo. Ok, samedi. Ma petite crevette. On est samedi, tu es prête pour le marché nocturne? Oui, je crois. Ce marché date de la préhistoire. Tu ne t'en souviens pas, sans doute pas, mais on t'a amené visiter le marché nocturne de l'île du Mont Fubu quand tu étais toute petite. C'est vrai, elle est passée où sa mère? Plus petite que tu l'es, que tu l'es maintenant, je veux dire. Et je venais ici quand j'avais ton âge, moi aussi. Ah oui, tu vois à quel point il est vieux. Je sais que tu t'es retrouvée inscrite un peu brutalement, mais je suis sûr que tu vas adorer. Quand j'étais jeune, c'était important pour moi de... Enfin, je suis persuadé que ça va te plaire. Allez, je te laisse commencer ta journée maintenant que tu as enfin réveillé. Je te retrouve ce soir là-bas. Attends, est-ce que je peux récupérer des trucs? Merde. Peut-être que... Récupérer mes objets. Bon, fermé. On dirait qu'il y a une lettre du musée. Vous êtes une personne épicurieuse. Le musée de la nourriture du marché nocturne est à la recherche de dons. Venez voir le musée. C'est qui, lui? Tout le monde s'intéresse au boxyman en ce moment. Ah ouais, je l'ai vu. Ah, est-ce que je peux y aller, là? Il fait encore jour. Bon, peut-être que j'ai encore du temps pour récupérer des fleurs, non? Parce que j'ai vu qu'il y en a aussi dans le village. Ouais, on va en récupérer ici. Puis récupérer quelques fleurs dans le village. Et puis fabriquer encore des... de quoi vendre. Ok, en fait, plus je prends... D'accord. C'est lorsque je prends des trucs que ça me prend de l'énergie, en fait. Là, j'en ai deux. Allez, on va rentrer.
sais pas si on peut faire une sieste. Il fait déjà nuit. Alors, on va fabriquer des trucs. Allez, un pot. Parce que quoi qu'il en soit, ça se vend super bien. Voilà, c'est parti. Ça y est, marché nocturne. Un nouveau stand s'est installé au marché nocturne. Bienvenue, bienvenue au premier marché nocturne du printemps. Le thème du marché nocturne de la semaine est le super festival incroyable du chat. Waouh! Mais alors, viens sur cette scène avant la fin de la nuit pour assister à notre course en direct. Je déborde tellement de joie que je pourrais éclater. Ah, je vais en faire... Je vais quoi? En faire caca dans mon costume dans le chat. Oh, nous avons aussi quelques nouveaux vendeurs du marché nocturne à présenter. Merci de souhaiter la bienvenue à Miniko et Miyako. Hello les gens de l'île du Montfougou, êtes-vous prêts pour un festival de folie? Oh, quel enthousiasme, quel panache, quelle élégance. Nous sommes tous impatients de voir ce que vous nous réservez. Oh, c'est vrai que vous êtes là aussi. Pourquoi ne dites-vous pas à la foule que vous prévoyez de vendre au marché nocturne? Peut-être des produits artisanaux? Bonne chance, quoi que ce soit. Et toi, Miyako, qu'est-ce que tu prévois de vendre ici? Quel que soit votre besoin, vous le trouverez chez Miyako au marché nocturne. Merveilleux, merveilleux, extrêmement bien dit. Toutes les deux... Ok, maintenant, allez-y, achetez, mangez, jouez, profitez. Et les enfants, il semble qu'il nous manque deux participants pour la course de chat ce soir. Cela vous intéresserait de participer, vous deux? C'est pas dangereux? C'est absolument pas dangereux, tant que tu ne te fais pas mal. Bonne chance avec vos ventes au marché ce soir. Plus vous vendez, plus cela incitera d'autres personnes de la ville à ouvrir leur propre centre. Venez sur la scène quand vous serez prête et nous vous préparons pour la super spectaculaire course des chats. Les clients arrivent bientôt, choisis les objets de ton inventaire à afficher, puis appelle les clients quand tu es prête. Alors, afficher, on va afficher quoi? Ça. 3, 4. Afficher. 3. Peut-être Camélia aussi. Je vais en mettre 2. 3 poils de chat. Ta boutique est pleine. Tu ne peux pas ajouter plus d'articles. Ok, appelez les clients. Venez voir tout le monde, c'est ouvert. Bonjour, bonjour. Ton intérêt semble se porter sur 3 coquines. Waouh! 86. Alors 8 x 3, 24. Est-ce qu'on peut lui coquer Dama? On va lui vendre à 412$. C'est cher, non? Oh, elle a acheté. Waouh, 500. Oh my god. J'ai vendu ça super cher, elle a acheté. Ok, je vais mettre des poils de chat ici. Boule de poils blanche, on va mettre 5. Appeler les clients. C'est ouvert.
Bonjour, son intérêt sur 4 bouquets pour chat parfait. Bah, je te vends à 475$ si tu veux. Oh, j'aurais peut-être dû prendre mon arc. Ok, il n'est pas intéressé. Appelez seuls les gens qui ont l'argent. Appelez les clients. Elle veut 4 bouquets pour chat parfait. 300. Je pense pouvoir t'en donner 323. Ça marche, bien sûr que ça va. Désolé, le prix est toujours 300. Tu peux descendre jusqu'à 341. Marché conclu. C'est bon, on est à 800$. C'est Bobo. Alors, afficher les objets. Qu'est-ce qu'on a mis? Attends, peut-être une fleur ici. Tac. Allez, appeler les clients. Alors, qu'est-ce que tu veux? La classe. Ça l'intéresse pas. Les poils du chat. 3 fleurs de sakura. Tu sais, c'est pas facile, hein, les fleurs de sakura. Hein, parce que prendre 3, ça fait la moitié d'un cœur. Donc, je te propose 21$. J'ai pas d'argent. Bon, on a déjà fait 800 et quelques. Bonjour, c'est cool. J'espère qu'un jour j'aurai un stand pour moi aussi. Appelez les clients. Allez, 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 venez. Bon, c'est tout pour cette semaine. Au moins, on a vendu. Hein. On a vendu 805. Je te cherchais. Tout le monde parle de ton stand. Grâce à des prestataires comme toi, la réputation du marché nocturne a pris de l'ampleur. Continue à faire du bon travail. Le marché nocturne est passé au niveau 2. Garde un œil sur les améliorations apportées au marché nocturne la semaine prochaine. Eh, franchement, c'est pas mal. Attends, elle là, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, boule de poils noirs, teinture bleue. Ça m'intéresse. Ouais. Je sais pas, peut-être que je peux en faire quelque chose. Alors, on va voir ce que elle là, elle vend. Draguer, c'est quoi ça? Barbe à pacha. Un chewing-gum. Des dragues noires. Allez, on prend. Faut pas qu'on dépense tout aussi. Hein. Il faudrait que je filme tout ça. Mais où avais-je la tête? Salut petite. Elle me plaît, elle a la thune. J'espère que tu passes un bon moment au marché. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux ici un jour, peut-être. Il paraît qu'avant, des groupes de musique venaient jouer au marché. Alors, comment on fait, mais du coup? C'est qui eux? Je suis tellement heureuse d'être dehors. Ah, la mémé. T'aurais dû voir le marché nocturne à son heure de gloire. Ça, tu sais, c'est comme les vieux là qui disaient en montant, c'était comme ça, c'était ceci, cela. Bon, comment on fait pour fermer, pour partir? Il y avait quelqu'un qui m'a... Le mec là, l'organisateur, il m'avait parlé d'une course. Ah, c'est lui. Prête à commencer l'événement principal. Souviens-toi, c'est le dernier événement de la nuit. Donc, le marché nocturne se termina immédiatement après. Ouais. Bienvenue au clou de la soirée. Avant de commencer la super spectaculaire course de chat, on va vous présenter nos vedettes. Tout d'abord, voici Miyako. Je vais vous pulvériser les losers. Ensuite, nous avons Bobo. J'ai oublié que je m'étais inscrit. Et ensuite, que tout le monde souhaite la bienvenue à Miniko. Allez-y, donc allons-y. Et enfin, voici un chat qui chevauche un autre chat. Miaulement mon cœur. Coureur, prenez vos marques et que le meilleur gagne. La course constituera 2 tours. Périmètre, ok. Fais de ton mieux. J'ai envie, on va faire une course. Oh!
mais c'est trop bizarre. Allez, allez, je suis devant. Je suis devant. Les virages, il faut bien prendre les virages. Waouh. J'ai gagné la course. On a assisté à une course de folie. Moi, je dirais que tout le monde a gagné. Comment ça? Oh, attends, on dirait que nous avons un vrai gagnant. Le gagnant de la super course. Du coup, j'ai oublié comment nous avons appelé ce truc. Le gagnant de la course est Minico. N'oublie pas de venir nous rejoindre la semaine prochaine. Tout le monde rentre chez soi. C'est terminé. Et voilà les amis, du coup nous aussi, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. En tout cas moi j'ai bien kiffé, franchement c'est un jeu qui est super sympa. Il est donc disponible sur le Game Pass, que ce soit console ou PC. Et si ça vous intéresse de connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes nouveau, nouvelle, et que vous découvrez cette chaîne Xbox News, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu afin de soutenir celle-ci. Et n'hésitez pas aussi à partager, c'est très important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!